La supply chain est en pleine révolution ou mutation, mais chez Schenker France, nous croyons fondamentalement à notre rôle dans la société civile en tant qu'employeur, mais aussi en tant qu'influenceur. Alors ça se concrétise par quelques initiatives locales qu'on essaye de déployer au sein de nos agences, parce qu'elles ont un rôle fondamental dans leur propre marché, mais ça se concrétise aussi par des initiatives portées par notre corporate et aussi par les valeurs que nous portons. Et on croit fondamentalement à ces valeurs. Ces valeurs, ça se concrétise par quoi? On veut être acteur et non pas suiveur, mais on veut fondamentalement être des éco-pionniers et des éco-citoyens. Pour le transport, nous avons choisi DB Schenker parce qu'ils ont des initiatives importantes par rapport à l'empreinte carbone. Et ça c'est important parce que ça correspond à nos valeurs. Mais la norme de pollution aujourd'hui sur les camions en France, c'est l'Euro 6, avec des filtres à particules. Mais on parle de plus en plus, au niveau de l'Europe et au niveau du grand public, de la baisse du niveau de CO2. Et la baisse du niveau de CO2, c'est forcément une baisse de la consommation. Et pour ça, il faut une technologie d'aide à la conduite dans le camion. Le groupe Daimler est le premier constructeur mondial de camions et a toujours été précurseur en termes de recherche et développement pour proposer des camions efficients avec une baisse des polluants supérieure à la norme. Avec la location Mercedes-Benz Charterway, notre client DB Schenker a toujours les dernières évolutions en termes de protection de l'environnement et de sécurité, avec un renouvellement rapide de son parc de véhicules de camions. C'est que le centre-ville soit un peu désengorgé de la circulation, du bruit, et qu'on voit plus facilement des livreurs arriver dans le magasin, le paquet à la main, et puis voilà, c'est simple, c'est beaucoup plus simple qu'un camion. Poussé par les citoyens, les agglomérations mettent en place des ZFE, des zones à faible émission. Nous avons lancé un programme de transformation de notre dernier kilomètre pour être moins impactant écologiquement. Nous mettons en place des véhicules électriques, mais aussi des vélos cargo pour livrer des colis, mais des palettes, sans contrainte de temps ni d'accès. Notre modèle est déjà reconnu par l'ADEME, avec le prix de l'innovation du programme EVE. Aujourd'hui, une vingtaine de centres-villes en France ont déjà nos solutions vertes. Nous avançons silencieusement, mais sûrement.